Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de GeoGebra. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le langage LaTeX sur GeoGebra. Alors, vous savez très bien qu'on souhaite souvent écrire des formules mathématiques sur GeoGebra pour faire, par exemple, une description mathématique de l'application qu'on essaie de créer, par exemple. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, il suffit tout simplement d'utiliser le langage LaTeX qui est intégré à GeoGebra. Nous allons découvrir cela sur un exemple simple. Alors, pour pouvoir écrire sur GeoGebra, nous aurons besoin d'insérer une zone de texte. Je clique sur ABC, je trace la zone de texte. Et là, au lieu de taper un texte ordinaire, je coche formule LaTeX. Et à ce moment-là, si je maîtrise bien le langage de LaTeX, je peux taper directement les commandes de LaTeX ici. Et si je ne maîtrise pas les langages de LaTeX, je peux utiliser l'aide de GeoGebra. Je clique sur ce petit triangle qui se trouve à côté de formule LaTeX. Et je sélectionne. Par exemple, si je souhaite écrire une fraction, un exposant, etc. J'utilise cette expression-là. Pour écrire une fraction A sur B. Je peux l'améliorer. Je peux par exemple mettre ici 1 plus x à la puissance 2, chapeau 2, sur par exemple 1 plus la racine carrée, c'est SQRT de 1 plus par exemple x au carré. Alors, pardon, j'ajoute ici un backslash. Chapeau 2. Et quand je termine, je clique sur OK. Et voilà, vous obtenez votre formule mathématique écrite sur l'interface de GeoGebra. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.